Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, allez-y. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du vaginisme? Non. Non. Vaginisme? C'est une maladie ou c'est... Non. 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 Encore moins. Le vaginisme? Pas du tout. Je ne connais pas. Et qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être le sexe d'une femme, par exemple. Qu'est-ce que ça m'évoque? Bon, dans le préfixe de vaginix, bon, qu'il y a vagin. Vagin, je sais pas, non, je vois pas vagin, vaginiste. Ça m'évoque sexisme, je sais pas. J'en ai jamais entendu parler, c'est fou. Et à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, une nana qui est plutôt vaginale que clitorienne, j'imagine. Orgasme vaginal, je suppose, ou quelque chose dans le genre. J'ai pas première réponse d'instinct. Je vous donne la réponse. Let's chat. Un podcast dédié au sexe féminin, plaisir, désir, mais aussi douleur et galère. Enchantée, je suis le Périnée. Une région complexe, mais super utile. Je suis un plancher qui empêche par exemple la descente d'organes. Pas mal, non? Je suis aussi dotée de muscles qui se contractent et se décontractent autour du vagin. On entend souvent parler de femmes qui font de la rééducation périnéale après le passage d'un bébé pour me retonifier. On entend aussi parler de femmes qui jouent avec sous la couette et qui même me font faire de l'exercice pour plus de plaisir. Mais on entend beaucoup moins parler de celles qui me serrent involontairement. Ce qui empêche tout passage dans leur vagin. Selon l'OMS, le vaginisme est une contraction involontaire, répétée, persistante, des muscles périnéaux qui entourent le tiers externe du vagin en cas de tentative de pénétration par le pénis, doigt, tampon ou spéculum. Il s'agit donc de spasmes involontaires que les femmes atteintes de vaginisme ne maîtrisent pas. Chez certaines, la simple anticipation d'une pénétration vaginale peut déclencher cette contraction. Pour mieux comprendre, beaucoup de médecins comparent cette contraction à un clignement de l'œil lorsqu'une poussière nous gêne ou qu'un insecte s'en approche. Les femmes peuvent donc ressentir du désir, de l'excitation sexuelle, sans pouvoir être pénétrées. Et puis, il y a ce fameux cercle vicieux, qui n'épargne pas non plus les hommes impuissants. Plus on a peur, moins on y arrive. On distingue deux types de vaginisme selon le moment où celui-ci est apparu. Le vaginisme primaire, le plus répandu, c'est quand la pénétration s'est toujours avérée impossible ou difficile. Le vaginisme secondaire, lui, apparaît après une vie sexuelle sans problème particulier. Mais alors d'où ça vient? Les médecins ont des pistes, mais elles sont diverses. Des violences sexuelles, une première fois traumatisante, des difficultés conjugales, une éducation sexuelle culpabilisante. J'ai demandé à Cathy, Émilie, Céline, Laetitia et Angéline quelles avaient été leurs premières expériences sexuelles et ce qui, selon elles, était à l'origine de leur vaginisme. Angéline. Je voulais attendre avant d'avoir ma première vraie relation, on va dire. Et donc, j'ai attendu 6 mois de relation. Et à ce moment-là, il n'y a rien qui passait du tout. J'avais plein de représentations en tête sur la douleur de la première fois, tout ça. Et du coup, je m'angoissais moi-même. Et ça a impacté ma vie sexuelle ou du fait que je n'ai jamais eu de pénétration, je n'en ai toujours pas maintenant. Cathy. C'est apparu à mon premier rapport sexuel. J'avais 16 ans, donc ça fait à peu près 15 ans. Il y avait un réel blocage et une énorme douleur. À chaque fois que j'essayais, c'était impossible. La douleur était trop horrible, insoutenable. Mon premier rapport s'est très très mal passé. Ça a duré très peu de temps, mais il n'y a eu aucun plaisir, en tout cas de mon côté. Il n'y a eu aucun préliminaire, rien du tout. Ça n'a été que l'acte sexuel pour l'homme, on va dire. Et j'ai ressenti une douleur immense. Et cette douleur, elle est toujours dans ma tête. Et ce garçon, en fait, je ne l'ai jamais revu. Puisque dans la nuit, il m'a envoyé un message en me disant « Bon, ben voilà, voilà, c'est fini. » Donc, il avait eu, en gros, ce qu'il voulait. Et puis voilà. Erreur de jeunesse, mais qui pourrit beaucoup de choses après. J'ai 2 filles. J'ai pas envie qu'elles reproduisent la même chose. J'aimerais qu'elles prennent leur temps. Émilie. J'avais 20 ans. Et lors de mes rapports avec mon copain, j'avais des douleurs à la pénétration jusqu'à un moment où je ne pouvais plus du tout avoir de pénétration parce que c'était trop douloureux. Laetitia.
Moi, je suis donc vaginique primaire. Donc, en fait, c'est des symptômes que j'ai toujours eus dès que j'ai essayé d'avoir une vie sexuelle. Même déjà à 17, pour les premières expériences, tout ça, c'était déjà compliqué. Et voilà, 25 ans, là, j'ai mis le pied dans le plat en ayant envie de quelqu'un et en voyant que ce n'était pas possible. Alors, du coup, à l'époque, bon, ce n'était pas quelqu'un de très, très bien. Donc, lui, il a réagi en disant « Ciao, Bert », il a disparu parce qu'il ne comprenait pas. Et puis, voilà, ça devait être simple, ça ne l'était pas. Donc, lui, voilà, j'ai pas eu d'aide du tout de sa part. Céline. À 19 ans, j'ai eu ma première fois qui s'est pas très bien passée parce que j'étais pas du tout en couple avec le gars en fait. Je pensais qu'en couchant avec lui, il allait vouloir qu'on se mette ensemble, mais en fait pas du tout. Donc j'ai été vachement déçue, j'ai vachement souffert lors de notre rapport sexuel. J'avais saigné, donc l'hymen avait bien été déchiré, etc. Donc, c'était une première fois normale. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui ont mal la première fois. J'avais pas du tout eu de blocage. Enfin, ça s'était passé normalement, quoi. J'ai rencontré quelqu'un d'autre quelques mois après qui a voulu un peu me forcer à me mettre avec lui en me disant « Si tu couches pas avec moi, je te fais une réputation de pute, quoi. » Donc, ce que je n'ai pas fait. Donc, je l'ai rejeté. Et il m'a un peu humiliée sur les réseaux sociaux, etc. Ensuite, encore quelques mois plus tard, je me suis fait agresser dans la rue, dans des escaliers, par un mec qui m'a sauté dessus, qui a essayé de me clouter et tout. Donc, j'ai hurlé, il est parti. Donc, heureusement, j'ai rien eu de grave. Et je pense que c'est tout ça qui a fait que quand j'ai rencontré le papa de ma fille, j'ai été complètement bloquée et aucun rapport n'était possible. Dès qu'on essayait, il n'y avait pas de pénétration possible, quoi. Mes cuisses se resserraient automatiquement. Je ne pouvais rien faire du tout pour contrôler, quoi. Alors que j'avais très envie, hein, mais non, c'était impossible. Angéline. Moi, j'ai toujours pas la réponse de d'où vient mon vaginisme. Je pense qu'un jour, je l'aurai, mais je pense que c'est très psychologique aussi. J'ai eu une éducation, en fait, assez stricte et avec un tabou sur la sexualité assez énorme. Et je pense que c'est ça qui a aussi influencé mon vaginisme, tout simplement. Quand j'ai commencé ma sexualité, j'étais un peu moquée, on va dire, à ce sujet-là, par mes parents. C'est-à-dire à base de remarques, de moqueries, tout ça. Ils me disaient que c'était plus facile pour moi d'avoir des relations sexuelles, par exemple, que de faire le ménage, ou des trucs assez horribles, mais voilà, qui étaient quand même assez blessants. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment, puis j'avais, en plus, à ce moment-là, j'avais à peine commencé ma sexualité, donc... Moi, je ne savais pas du tout de quoi on me parlait, en plus. Hein. J'en ai d'abord parlé à ma mère. Elle m'en parle assez régulièrement et ça la touche beaucoup parce que pour elle, le problème vient de mon père. Et j'ai fini par le dire à mon père parce que j'avais évidemment des reproches à lui faire, on va dire, sur l'éducation qu'il m'a donnée. Et il a totalement nié. Mais bon, ça, je m'en doutais. C'est toujours tabou, en fait. Si moi, je n'avais pas mis le sujet sur la table, on n'en aurait pas parlé non plus. Laetitia. J'ai une problématique de violence sexuelle dans mon enfance. Ça a beaucoup joué. Parce que même encore aujourd'hui, j'ai toujours très, très peur des hommes. Ne pas comprendre ce qu'on a, c'est une des choses les plus difficiles à vivre quand on est atteinte de vaginisme. Alors, ces femmes cherchent des réponses et des solutions chez les professionnels de santé. C'est là que commence leur parcours de combattante. Un gynécologue, un psychiatre, gynécologue, sexologue, théopathe, sage-femme, kiné, psychologue, psychiatre, sexologue, gynéco, magnétiseuse, un gynécologue, Émilie. Alors moi, quand il y avait ça, au début, je ne comprenais pas trop. J'ai attendu un petit peu, puis ça devenait quand même gênant au sein du couple. Donc j'en ai parlé à ma mère d'abord, qui m'a conseillé d'aller voir un gynécologue. C'était la première fois que j'allais chez le gynécologue. Et il a été un peu... violent, on va dire, que ce soit dans ses mots ou dans ses gestes. Il m'a fait très mal en essayant d'insérer son doigt dans mon vagin. Et après, il m'a un peu sermonné en me disant qu'il fallait que je me détende, que c'était de ma faute, que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Et il a fini par m'écrire le mot vaginisme sur un post-it en me disant « Voici ce que vous avez, vous irez voir sur Internet ce que c'est. » Et donc, bon, moi, évidemment, tout le long du rendez-vous, j'étais en pleurs. Je comprenais pas vraiment ce que j'avais. Enfin, il m'a pas du tout expliqué. Et il m'a prescrit aucun traitement. Ma mère était aussi un peu désemparée et perdue. Donc, elle m'a orientée vers une psychologue que j'ai vue, qui ne connaissait pas non plus le vaginisme. Alors, elle était très gentille, mais ça m'apportait pas vraiment de réponse à mes questions et je comprenais toujours pas.
Et quand je suis arrivée en région parisienne, je me suis dit c'est peut-être le moment de chercher de nouveau des réponses à mes questions, puisqu'il y aura peut-être plus de professionnels qui connaissent le vaginisme. Et donc, j'ai trouvé une association qui s'appelle Les Clés de Vénus, et j'ai rencontré notamment une ostéopathe sexologue que j'ai vue pendant 8 mois et qui m'a traitée. Et en 8 mois, j'avais plus de symptômes très rapides par rapport à toute la période pendant laquelle je n'avais rencontré personne qui connaissait le vaginisme. Il y avait toute une éducation un peu sexuelle à faire, parce qu'en fait, je ne connaissais pas du tout mon corps. Je ne savais pas à quoi ressemblait mon vagin ni comment ça fonctionnait. Ensuite, il y avait une partie de travail autour de la relaxation, et puis un travail où elle m'a appris à contracter, décontracter mon vagin, à savoir contrôler en fait ce mouvement-là. Et on a aussi travaillé avec des dilatateurs vaginaux. C'est des tubes en plastique de différentes tailles qu'on insère petit à petit dans le vagin en faisant des exercices de respiration. Ça fait travailler le côté psychologique, parce que les dernières expériences de pénétration étaient tellement douloureuses pour moi que mon cerveau, il anticipait un peu la douleur, et elle m'expliquait que je devais savoir déjà que j'étais capable d'avoir une pénétration. Et du coup, de travailler avec les dilatateurs, j'envoie cette information-là à mon cerveau pour lui dire, voilà, je peux le faire et sans avoir mal. Cathy. Alors, la première fois qu'on a mis un mot sur mon vaginisme, c'était pour ma première grossesse, donc j'avais 20 ans. Je ne m'étais jamais rendue encore chez un gynécologue. Je suis allée donc en voir une pour évidemment faire une échographie. Et bon, je redoutais beaucoup ce qu'elle allait me demander, donc d'aller faire un examen vaginal. J'étais la voir elle parce que c'était la seule femme dans la région. Et donc elle n'était pas très très douce. Hein. Je ne l'avais jamais vue, je ne la connaissais pas. Donc elle a voulu effectivement faire un examen. Ça s'est très mal passé. J'ai bondi sur elle hein, en lui arrachant la main, puisque ça m'a fait une douleur, mais alors horrible. Et c'est là qu'elle m'a dit je souffrais de vaginisme, que c'est pas normal que j'ai cette réaction-là. Bref, à ce moment-là, je suis sortie du rendez-vous en pleurs et très, 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 très mal. Et puis après, j'ai plus du tout voulu qu'elle me touche. C'était fini. Angéline. Commencer par aller voir une sexologue en fait, qui m'a après redirigée vers ma première éducation périnéale. Et du coup, j'ai fait 2 rééducations périnéales différentes. Une première avec une sage-femme. Et la deuxième que je fais depuis un peu plus d'un an, la kiné, c'est une autre manière de faire, on va dire, c'est 2 manières différentes. Et j'ai beaucoup plus avancé avec la deuxième manière en une 15aine de séances. C'est-à-dire que maintenant, j'utilise un kit de dilatateur. Et en fait, j'ai avancé parce que je suis rendue bientôt au dernier diamètre, alors que je la vois, oui, depuis une année. Alors qu'avant, j'ai passé... plus de 2 ans avec une autre sage-femme où j'avançais pas du tout, mais j'ai vu que c'était aussi le lien que j'avais avec elle et qu'elle me renvoyait une image plutôt négative de moi. Un jour, je me suis dit, faut juste dire stop en fait, si ça passait pas, ça passait pas. Alors, le diagnostic, je l'ai eu après avoir fait ma rééducation périnéale parce que, en gros, personne m'avait dit exactement ce que j'avais, même ma sage-femme n'avait jamais posé le mot vaginisme. Et du coup, ça me pesait de ne pas savoir ce que j'avais. J'ai été voir une gynécologue qui était une très bonne praticienne. Elle m'a auscultée à l'anglaise, c'est-à-dire sur le côté, parce que le simple fait d'être en frontal, comme la position gynécologique, en fait, était angoissant pour moi. Et je faisais des crises de panique, en fait, rien que dans cette position-là. Donc du coup, à ce moment-là, elle a pu me faire le diagnostic et m'a dit que j'avais un vaginisme primaire. Laetitia. Quand j'ai eu l'expérience avec le garçon, là, je me suis retrouvée quand même en me demandant est-ce que j'ai un problème, est-ce que j'ai une malformation ou qu'est-ce. Donc là, je suis tombée par hasard sur une gynécologue, et par chance, qui était une très, très bonne gynécologue. Elle, à l'époque, elle me disait je ne sais pas ce que vous avez. Elle dit j'ai plusieurs patientes comme vous, je ne sais pas du tout. Mais en fait, elle m'avait envoyé voir une psychiatre. Et avec cette psychiatre, c'est elle qui a mis le mot officiel. Elle m'a dit, c'est du vaginisme primaire. Et avec elle, j'avais énormément travaillé sur ma relation aux hommes, le pourquoi, tout ça. La psychiatre, elle m'a dit, en complément, ce serait bien d'aller voir quand même un sexologue. Qui lui, d'entrée de jeu, il m'avait demandé une chose très bête. La première consultation, c'est de lui dessiner en fait, un organe féminin. Quoi. Et je lui avais fait un dessin. Il m'a dit... « Ok,
je vais prendre mon encyclopédie et on va regarder ça tous les deux. En gros, je savais, j'étais incapable de le dessiner. À part la petite tête de bélier, là, l'utérus, au-delà de ça, pour moi, le vagin, ça n'existait pas. Tant que le cerveau ne sait pas qu'il y a un vagin, bah, effectivement, il ne peut pas comprendre qu'on va mettre quelque chose dedans. Il y a aussi l'exercice que j'avais fait de regarder avec un miroir. Et en fait, au début, la première fois, c'est super dur. Moi, je me souviens avec miroir à la main et me dire, je ne peux pas regarder là, même avec mon miroir, je ne veux pas voir. Et pareil, il faut faire tomber cet obstacle-là de se dire que oui, il faut regarder, c'est mon corps, j'ai le droit de le voir, j'ai le droit de le toucher. Ensuite, j'ai entendu parler de faire de la kiné avec elle. On a fait un travail vraiment de kiné sur toute cette zone. Je n'avais même pas conscience de ce que c'était qu'un périnée décontracté. Céline. J'ai vu une sexologue une fois qui m'a proposé de faire des exercices et en fait, je ne l'ai jamais fait parce que j'avais trop peur. Et pour moi, avec mon copain, ça allait durer même si on n'avait pas de rapport. Alors qu'il me trompait, hein, il me trompait à droite, à gauche. Mais moi, j'acceptais parce que pour moi, c'était à cause de moi. C'était à cause de moi qu'il me trompait et que je n'avais pas le choix d'accepter, quoi. Je suis frappée par le combat que ces femmes mènent. Les rendez-vous qui s'enchaînent, ballottés d'un médecin à l'autre, l'incompétence à laquelle elles font parfois face, les déserts médicaux. Mais je suis surtout frappée par leur force mentale d'affronter ça seule. Et les partenaires dans tout ça? On est deux à faire l'amour, non? Angéline. J'ai toujours le même partenaire depuis le début de ma sexualité. Et lui, bah, en fait, tant que nous deux, on prend du plaisir et qu'on aime être ensemble et qu'on vit, on vit notre vie de couple pleinement, ça ne le dérange pas. Il est rassurant. C'est ça qui est bien aussi, c'est que j'ai jamais peur avec lui, on va dire. Cathy. Il a toujours été assez compréhensif là-dessus, toujours patient. Après, je me doute que ce n'est pas toujours facile pour lui, ça. Des fois, il a des envies que je ne peux pas toujours lui donner. Mais voilà, on a trouvé nos petites habitudes. Il aimerait voilà, des fois les changer, mais moi, voilà, faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. J'ai besoin de concentration. Il faut que ce soit comme moi, en fait, je veux pour vraiment bien me laisser aller. Émilie. Eh ben, mon partenaire, au moment où le vaginisme est apparu, il comprenait pas trop non plus. Il se demandait aussi si c'était de sa faute. Voilà, il était patient, passif aussi d'un côté, parce que mais bon, je pense que quand on a 20 ans, j'attendais pas forcément de lui autre chose, mais c'est vrai qu'il a pas forcément non plus, il ne m'a pas aidé à trouver des solutions, on va dire. Laetitia. La réaction principale, souvent, c'est de l'incompréhension et du coup voilà ils sont dans ta vie et puis ils attendent patiemment que le problème se résolve. Céline. En général les hommes que j'ai pu rencontrer ne savaient absolument pas ce que c'était et donc ils trouvent ça un peu bizarre, peut-être que ça les fait flipper, je sais pas, se dire que il y a un problème psychologique là-dessous. Quand un examen gynécologique est impossible, une pénétration très difficile, est-ce qu'on peut envisager avoir des enfants? Cathy. C'était une peur énorme que je ne puisse pas avoir la péridurale pour faire passer le bébé. Parce que je me suis dit quelle douleur je vais ressentir à ce moment-là. Et pour moi, il était impensable de ne pas avoir la péridurale pour sortir le bébé. Et du moment où ils me l'ont posé, ils ont pu m'examiner. Mais alors, je ne sentais plus rien, donc il n'y avait plus de soucis du tout. Mais après, du moment où il n'y a plus l'anesthésie, là, il ne faut plus du tout essayer. J'ai eu un deuxième bébé, 8 ans après, parce que j'ai mis très longtemps à me remettre de la première. Ça a été très compliqué. Je ne suis pas retournée voir de gynécologue avant un certain temps. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que mon dermatologue à l'hôpital m'a envoyé voir une gynécologue. Je suis tombée sur quelqu'un de super, qui connaissait directement le souci, qui ne me force pas du tout. Elle comprend tout à fait. Je lui avais posé la question à l'époque, voilà. C'est vrai que j'aurais aimé avoir un deuxième enfant, mais avec ce souci, ben, ça me freine et j'arrive pas à me remettre dans ma tête d'avoir un deuxième accouchement et une grossesse. Et elle m'a proposé de me suivre pendant ma grossesse. Du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Parce qu'elle a l'air très très bien et elle ne me forcera pas et elle trouvera d'autres solutions à chaque fois. Ça s'est mieux passé avec elle. Et puis l'accouchement, ben, pas du tout, ça a été pire. Parce qu'en fait, elle travaillait pas ce jour-là. Elle avait pourtant tout noté dans le dossier, il y avait eu un bon suivi, elle avait prévenu toutes ses collègues. Non, directement arrivée là-bas, c'est très très mal passé, j'ai eu le droit au chantage. Ils m'ont dit de toute façon, elle n'est pas là, donc on fera comme nous on a envie. Céline. En fait, on a forcé, parce qu'on voulait vraiment avoir un bébé, donc on a forcé et une fois c'est rentré.
Et donc, il a éjaculé en moi et je suis tombée enceinte. Donc, miracle, parce que la première fois qu'on a vraiment réussi à avoir un rappeur, je suis tombée enceinte directement. Pendant ma grossesse, aucun examen gynécologique n'a été possible. C'était vraiment très compliqué. Pour moi, mon accouchement, c'était ma guérison, en fait. Je me suis dit, si quelque chose, enfin, si un bébé peut sortir de moi, forcément, le pénis de mon copain pourra rentrer après. Et après l'accouchement, je n'étais pas guérie du tout. Laetitia. Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas, dévorée par l'envie d'avoir des enfants. Donc, du coup, comme c'est difficile pour moi, bon, je ne me pose pas trop la question. Je me dis aussi, est-ce que ce n'est pas lié psychologiquement? Pour moi, mon vaginisme, il était tellement intégré que c'est peut-être encore une barrière que j'ai. Parce que c'est vrai que si je pense à l'accouchement, ça me fait peur. Quand j'ai des amies qui sont enceintes, qu'elles me racontent, enfin, moi, je suis à la limite de tomber dans les pommes. Angéline. La plupart des femmes qui veulent tomber enceintes et qui sont vaginiques tombent enceintes tout simplement avec certaines méthodes comme en surveillant l'ovulation ou en utilisant des pipettes pour pouvoir s'injecter elles-mêmes, par exemple le sperme de leur amie. Quand on traverse des difficultés, on a besoin de soutien. Mais quand il s'agit de parler d'une sexualité bien différente de celle proposée par les magazines féminins, ça demande un certain courage pour franchir le pas. Céline. Ouais, moi, toutes mes copines, elles sont au courant. Avant, ils ont rigolé un peu quand ils savaient qu'à 18 ans, j'étais encore vierge, que j'avais du mal à trouver un copain. Elles se moquaient pas, mais elles en rigolaient. Elles disaient, le jour où tu vas avoir le loup, ça va être le feu, quoi. Et maintenant, ouais, elles sont contentes pour moi, mais j'en ai perdu beaucoup parce que le fait de connaître maintenant une sexualité, en fait, j'ai eu une passe où, ça, j'en ai un peu honte, c'est que j'ai enchaîné les partenaires sexuels, quoi. Les aventures sans lendemain, je les ai enchaînées parce que pour moi, je rattrapais le temps perdu. Je me faisais une expérience que certaines ont depuis longtemps, que moi, j'ai eu à 24 ans. Et j'ai des copines qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas compris et qui m'ont un peu tourné le dos parce que pour elles, j'étais une pute, quoi. Et les hommes, c'est pareil. Il y en a qui n'acceptent pas ça, alors qu'eux, ils peuvent se taper 30 nanas dans le week-end. Ça va être des champions, quoi. Je ne suis pas du tout à l'aise dans mes relations amoureuses. J'ai toujours eu que des échecs. Je n'imagine pas un homme qui ne me trompe pas, en fait. J'ai l'impression que toute ma vie, ça sera ça, quoi. Je tomberai sur quelqu'un qui ne me trouvera pas assez bien au lit et puis qui décidera d'aller voir ailleurs. Et puis voilà, je me retrouverai encore toute seule. Émilie. Au début, je n'arrivais pas du tout à en parler. Je pensais vraiment que j'avais un problème, que j'étais pas normale. Donc j'avais beaucoup de honte et de culpabilité. J'en ai vraiment parlé à personne d'autre au début qu'à ma mère. C'est seulement par la suite, après avoir vu l'ostéopathe, que j'ai commencé à en parler autour de moi, à mes amis, à des collègues, parce que du coup, je comprenais ce que j'avais et je voulais vraiment en parler parce que je pense qu'il faut en parler, qu'on n'est pas encore assez au courant de ces choses-là. Laetitia. Avec ma mère, j'en parle un peu, mais bon, ça reste difficile parce qu'elle ne comprend pas très bien. Et puis bon, c'est une maman, elle culpabilise comme souvent les mamans. Donc, c'est pas forcément la meilleure personne. Après, au niveau des amis, j'en parle assez facilement. J'ai une amie avec qui j'en parle franchement et elle est dans la compréhension. Et après, j'ai aussi mon meilleur ami, c'est un homme. Lui, il m'exprime qu'il ne comprend pas. Et il m'a dit, mais un jour, si tu veux être en couple, il faudra que tu acceptes que le mec en face de toi ne pourra pas comprendre et ne pourra pas t'aider. Et c'est dur à entendre, je trouve. Angéline. Je sais que je ne devrais pas en avoir honte, mais en soi, la sexualité de nos jours, dans notre société, c'est quelque chose d'omniprésent. Et de dire qu'en fait, une femme ne peut pas avoir de pénétration vaginale, c'est comme une honte, en fait, parce que tout le monde en parle tout le temps. Et c'est pour ça que je n'en parlais pas à mes amis dernièrement. J'avais une amie de confiance et je me suis dit quand même, je vais lui dire pour voir comment elle réagit. Et elle ne connaissait pas du tout. En me voyant, elle ne se doutait pas du tout que j'avais un problème comme ça. Et puis maintenant, je sais que j'ai une personne au courant qui va peut-être pouvoir en parler autour d'elle. Ou alors, si elle en entend parler, peut-être qu'elle pourra renseigner la personne aussi. Derrière l'impossible se cachent souvent d'autres possibles. Ces femmes impénétrables ont dû se construire une autre sexualité en faisant marcher leur imaginaire. Inspirant, non ? Laetitia. J'en suis arrivée à un degré où à un moment, très bêtement, il me fallait juste un pénis, quoi. En gros, il fallait que je mette les mains dans le cambouis. Donc en fait, j'ai eu une histoire avec un garçon et il a été le premier à pouvoir me pénétrer. J'ai pleuré de joie. C'est terrible parce que j'ai pleuré de joie quand c'est arrivé. Ça fait 10 ans que je soignais mon vaginisme. Donc c'était assez émouvant que j'y arrive, quoi.
j'ai pas de notion de plaisir sexuel. Donc, avec lui, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas de sentiment ni rien. Bon, aujourd'hui, je suis célibataire. Dans ma tête, je me dis, je sais que ça rentre, donc c'est plus un problème. Mais j'ai toujours quand même l'appréhension de me dire, bah ouais, mais pourquoi se donner autant de mal ? Parce que c'est jamais vraiment spontané pour moi d'avoir une relation sexuelle. Et puis tout ça pour me dire au final, bah ouais, mais le plaisir, je sais toujours pas ce que c'est, quoi. Angéline. Je pense que j'ai connu la masturbation étant petite et depuis, bah, j'ai jamais eu de problème d'orgasme. En fait, je me demandais même ce que c'était quand j'étais plus jeune. Parce que, en fait, j'en ai toujours eu dans toutes mes relations intimes, j'en ai toujours eu. Et je pensais que c'était autre chose, du coup. Je pensais que c'était plus fort que ça, parce que je savais pas. Enfin, pour moi, c'est simple. Pour d'autres, c'est beaucoup moins. Donc, j'avais du mal à différencier, en fait, si c'était ça ou juste normal. Céline. Je me suis séparée du père de ma fille, donc après 6 ans de vie commune. Et j'ai rencontré. J'avais un ami, en fait, un groupe de potes. Et un soir, soirée arrosée, on a fini dans le même lit. Et puis, bah, bizarrement, c'est passé comme une lettre à la poste, quoi. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais eu de blocage. Après, je suis pas super à l'aise dans ma sexualité non plus. Oui, j'ai du plaisir, mais j'atteins jamais l'orgasme, en fait. Cathy. Il a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour que j'arrive vraiment à avoir un vrai rapport sexuel avec du plaisir, en fait. Alors, beaucoup de patience du partenaire, beaucoup, beaucoup de patience, beaucoup d'essais. Faut arriver à trouver le plaisir ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la pénétration, hein. Souvent, il y a plein d'autres choses chez une femme. Et voilà, c'est avec ce plaisir-là qu'après, petit à petit, je suis arrivée à avoir à peu près des rapports sexuels, on va dire, normaux. Même si jamais ce sera tout à fait normal, on va dire. J'ai toujours un petit blocage. Angéline. Je peux dire que j'ai une sexualité épanouie parce que pour moi, ça ne m'empêche pas non plus de faire l'amour. Pour moi, faire l'amour, ce n'est pas forcément avoir cette pénétration vaginale ou autre, en fait. Donc, il y a plein de façons de le faire et d'être épanouie là-dedans. Laetitia. Dans le peu de relations que j'ai eues, c'est vrai qu'il y a aussi des hommes où il n'y a rien d'autre qu'il faut mettre un pénis dans un vagin. Et du coup, à un moment, moi, je me dis, par exemple, si je tombe demain, je rencontre quelqu'un, je dis, bah ouais, mais si lui, il est dans cette optique, moi, d'entrée de jeu, je suis refroidie, j'ai même pas envie d'y aller parce que j'ai pas envie de me retrouver confrontée à ce passage obligé de la pénétration, alors que pour moi, bon, ça reste difficile et ça reste peu, peu rentable au final. Moi, je ne vois pas comment je peux guérir de ma problématique si à un moment, les hommes ils ne m'aident pas, d'autant que ma problématique, elle est quand même très liée à la base, à un problème de comportement masculin. Donc, je me dis... Les hommes ont pu me détruire, je ne comprends pas qu'ils ne puissent pas m'aider à me reconstruire. Forcément, qu'il y a au moins un homme sur cette planète qui est capable d'aider une femme à se construire ou à se reconstruire, parce que forcément, on va être deux dans cette problématique. Et il a un rôle à jouer. Moi, de mon côté, j'ai tellement peu l'habitude d'intégrer les hommes dans mon schéma de guérison. Il faudrait vraiment que j'ai des sentiments forts pour me dire que voilà, je vais l'intégrer. Parce que c'est à force de devoir lutter un peu seul, on intègre ce combat pour soi-même et on n'a plus envie d'intégrer les autres. C'est pas quelque chose dont on guérit seul quand même, malgré tout. Angéline. Moi, étant bénévole au planning familial, j'ai fait le Hellfest. Et sur le Hellfest, la plupart des hommes ne savaient pas ce que c'était qu'un clitoris. Mais au moins, je répands ce qu'est un clitoris autour de moi, on va dire. Il y a Laetitia, Céline, Angéline, Cathy, Émilie. Et il y a toutes les autres aussi. Il y a autant de vaginisme que de femmes qui en sont atteintes. Heureusement, il existe des solutions efficaces pour s'en sortir. Émilie. Autour de moi, ce que j'ai envie de dire à mes amis ou à toutes les femmes, c'est qu'il ne faut pas avoir honte de découvrir son corps. La sexualité, ça s'apprend. Nous, notre sexe, il n'est pas visible comme celui des hommes, donc c'est vrai que c'est plus compliqué à appréhender. On doit en parler, ça ne doit pas être quelque chose de tabou, même quand il y a des complications, des douleurs. Cathy. Ce que j'aimerais par ces messages, surtout, c'est qu'il y ait plus d'empathie. Et aujourd'hui encore, quand je mets des commentaires, par exemple, sur des articles Facebook qui vont parler de gynécologie, accouchement, etc., j'ai des hordes de femmes, hein, mais en furie contre moi, hein, qui ne comprennent pas, qui ne sont pas d'accord. Pour elles, l'impossibilité n'existe pas. Et en fait, c'est notre volonté, on n'a pas envie. Alors que non, c'est pas du tout ça. Hein. Moi, j'arrive vraiment pas à contrôler ça. Céline. J'aimerais bien quand même en parler pour renseigner les filles qui
qui peuvent être dans cette situation-là, et peut-être d'autres qui ont plus encore l'expérience de ce trouble que moi, pour me rassurer moi. En fait, c'est un peu dans les deux sens, quoi. Mais aussi que je sois là pour rassurer les aussi à qui ça arrive, qu'elles ne disent pas que c'est peine perdue, quoi. Parce que pour moi, je n'allais jamais avoir de rapport de ma vie. Angéline. J'ai vu tellement de personnes qui ont, je ne sais pas, moi, une quarantaine d'années et qui sont atteintes de vaginisme. Enfin, à un moment, elles peuvent guérir avec les bonnes personnes, notamment rencontrer sur Internet. On peut y arriver avec plusieurs méthodes. Laetitia. De rencontrer d'autres personnes, dans mon cas, d'en discuter de façon très honnête. C'est une super aide parce qu'on se sent tellement seul. À un moment, on se dit, est-ce que je suis la seule du monde à souffrir de ça? Et en fait, on se rend compte que pas du tout, pas du tout, du tout. Et c'est assez rassurant, c'est plaisant d'en parler avec des filles en plus qu'on puisse avancer. Et du coup, de se dire que oui, on peut en guérir, oui, c'est possible. C'est, voilà, il y a des boîtes à outils, il y a des choses à faire et qu'on n'est pas condamné à ça dans sa solitude, quoi. Comme on l'entend dans ces témoignages, c'est important d'apprendre à connaître son corps. Comment il est fabriqué, comment il fonctionne, et aussi de s'écouter, d'échanger avec d'autres femmes, de changer de praticien si l'on n'est pas à l'aise, et d'aller voir, si on peut, ceux qui travaillent en réseau et qui connaissent bien leur sujet. Si vous êtes atteinte de vaginisme, ou pensez l'être, allez faire un tour sur le site de l'association Les Clés de Vénus. C'est une incroyable source d'informations et de rencontres. Je vous conseille aussi le livre « Les femmes et leur sexe » d'Heidi Béroupoyer et Laura Beltran aux éditions Payot. J'espère que cet épisode vous a plu. J'aimerais remercier celles qui m'ont ouvert la porte de leur intimité. Merci aussi à Marion qui a réalisé le micro-trottoir qu'on entend au début de l'épisode. Ses premiers témoignages m'ont confortée dans l'idée de faire parler les douleurs et les difficultés sexuelles des femmes, pour qu'elles n'aient plus honte et que leurs partenaires et leur entourage les comprennent et puissent être un soutien. Alors rendez-vous au prochain épisode. Et en attendant, je vous invite à continuer la discussion sur le Facebook et l'Instagram de Let's Chat.